Et bonjour à tous les breakers, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous l'aurez vu dans le titre, il y a une nouvelle course F1. Je vous avais promis que si il y avait de nouvelles courses F1 qui étaient faites sur le Rockstar Social Club, que je puisse vous le signaler et vous le partager, ce serait fait. Et donc, c'est le cas. Je voulais faire un live pour jouer un peu avec vous, comme le premier circuit qu'il y avait eu. Mais je me suis dit que je vais pas le faire parce que si je le fais, il est fort probable que ça attire donc forcément beaucoup de monde sur les courses et que vous ayez pas le temps de la tester et que Rockstar l'efface encore. Hein, parce que le dimanche après-midi de la semaine dernière, ils l'ont supprimé peu de temps après mon live. Et j'ai eu le temps de faire la vidéo que 10 minutes après, déjà, ils avaient supprimé la course. Donc, je remercie le poteau Akinawa de m'avoir informé une deuxième fois pour cette course-là. Donc comme d'habitude c'est parti, vous allez dans le menu options du jeu, vous allez dans en ligne comme d'habitude, hein, vous faites jouer à GTA Online et go. Pour l'instant rien de plus compliqué. Ce que je vous conseille de faire avant d'aller dans le online, c'est tout simplement d'aller sur le Rockstar Social Club avec le lien que je vous mettrai dans la description. Donc, hein. Donc vous cliquerez sur le lien et vous mettrez la course en favori comme je vais vous le montrer sur l'image là. Une fois que cela est fait, vous revenez et vous allez sur le GTA Online. Parce que sinon, si vous êtes déjà sur le GTA Online et que vous ajoutez la course, elle ne sera pas ajoutée. Vous serez obligé de le quitter pour revenir pour que la course soit ajoutée dans vos favoris. Après, une fois que vous avez ajouté la course et que vous êtes dans le Online, vous allez tout simplement encore une fois dans les menus options et vous allez dans En ligne, Activité, Jouer Activité et vous allez dans Favoris parce qu'elle sera mise dans Favoris hein, quand vous allez l'ajouter. Une fois dans Favoris, vous allez tout simplement dans Course. Hop, et elle est là, Open Wheel GTA Tech Tac. Donc c'est une course avec jusqu'à 30 joueurs. Voilà, donc c'est celle-ci. Et c'est donc un nouveau circuit, hein. Il est complètement différent de l'autre. Par contre, il dit, regardez, les tours sont assez longs. Donc ce qu'on va faire, c'est je vais faire un tour dans cette vidéo, que vous voyez un peu à quoi il ressemble. Parce que du coup, j'ai pas le temps d'inviter du monde et tout. Peut-être qu'il y aura peut-être un peu de gens, je sais pas, on va voir. Donc je vais le tester, et comme ça, vous pourrez voir à quoi ça ressemble. Puis après, bonne game à tous. Hein. Donc on est parti, je vous laisse là-dessus. Sur cette course, je vais faire un tour pour la tester. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Si ça vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas, le gros pouce bleu pour me soutenir, pourquoi pas aussi à la partager hein, sur les réseaux sociaux et tout, si vous voulez, ou même à vos potes, si vous voulez informer pour aller faire quelques courses entre vous et tout. N'hésitez pas, ça peut toujours m'aider moi. Ça peut aider aussi le créateur, parce qu'il faut pas hésiter, parce que c'est quand même un créateur qui le fait, il fait du bon boulot, donc il faut aussi le remercier comme on peut. Et puis surtout, à vous abonner si jamais vous découvrez la chaîne seulement avec cette vidéo. Encore merci à tous les potes, bon visionnage de cette fin de vidéo, et à la prochaine. Bon dimanche à tous, ciao.